Allez, on va commencer donc le live et l'enregistrement pour la rediffusion. Alors, pour petite précision, je suis donc en live bien sûr, donc le samedi 19-12. On continue tout simplement du RimWorld, à savoir ici une partie en Randy Hazard, où on est dans la jungle, donc température plutôt haute, pas mal de pluie quand même, ce qui est plutôt pas mal. Mais surtout là, l'élément principal de la série, donc on construit un petit peu dans les montagnes quand même. Mais c'est surtout qu'on a la fameuse salle qui va être très difficile d'accès, qui se trouve en fait tout simplement dans notre base. Donc là, ça va être un petit peu problématique. Alors j'y ai pensé un petit peu. Bonjour Aristocratis. Donc bon, j'y ai pensé un petit peu à côté. Pendant que, bien sûr, je faisais autre chose. Et je pense que cette technique-là, bon, on pourrait mettre des munitions de ce côté-ci, hein, mais après ils vont se balader dans notre base. Par contre, on peut essayer de les faire aller en extérieur. Ce qui pourrait être plutôt pas mal. Après, le souci étant, c'est que c'est nos champs qui vont recevoir. Mais on peut tout à fait faire des champs de l'autre côté. Ça, ce n'est pas un réel problème. On pourra aussi faire en sorte que nos animaux viennent plutôt de ce côté-ci. Le temps, en fait, tout simplement, parce que de ce côté-ci, c'est pas très très. C'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait. On va essayer de miner tout ce qu'il y a là. Venir mettre nos animaux et nos champs de ce côté-ci, ça devrait aller beaucoup mieux pour la suite, je pense. Donc, sur ce, on va balancer la partie, hein, tout simplement. Alors bien sûr, il faut que tout le monde améliore un petit peu tout ce qu'il y a à améliorer. Je rappelle, on a notre zone pour les médicaments et la nourriture de ce côté-ci, ça va très bien. On a notre recherche de ce côté-ci. On est en train de faire une salle. Salut Rome! On est en train de faire... Alors attendez, petite pause. Pour dire bonjour sur le chat quand même. C'est la moindre des choses. Donc on est en train de faire une salle aussi ici, on va pouvoir mettre un billard, on va pouvoir augmenter les tables, donc ça va être notre salle de plaisir, meeting, manger en fait, tout simplement salle à manger, séjour. Après on aura plusieurs chambres bien sûr qui vont être positionnées à différents endroits. Il va falloir surveiller aussi nos quantités de rochers, parce que ça va être assez important. Et bah, dès qu'on pourra, on fera une zone de téléportation dans les montagnes, ce qui permet que quand on téléporte, tout reste bien dans la salle en question, ça aussi c'est très bien, et puis on pourra la garder aussi au frais, là aussi ça va être assez important, bien entendu. De ce côté-ci, on est en train de mettre en place tout un système défensif, on pourra utiliser les rochers qui sont ici, on a de l'or, il nous reste plus qu'à trouver du plastacier, qui sera assez utile pour la suite de la partie. Et comme ça, on pourra permettre des recherches. Alors, il y a un colon qui a besoin de soins. Ah oui, parce que Mikost est malade, c'est vrai. Notre vieux Mikost. Enfin, vieux. Là, il a 23 ans, donc il est plutôt jeune. Mais pour l'instant, voilà, 80% d'immunité. Il est plutôt bien soigné. Pas vraiment de soucis. Et puis, vous voyez, 110% hein, quand même de réussite des soins, ce qui est énorme, je trouve. Alors, est-ce que c'est le fait que l'on soit en zone plutôt agréable? Je ne sais pas. À plus tard, Rome. En tout cas, pour l'instant, la colonie se porte pas trop mal. Il va falloir quand même récupérer, si on peut, encore du métal. Donc peut-être voir pour miner proche de nos entrées, par exemple par ici aussi. Ça va être assez important. Mettre en place notre système défensif pour utiliser, bon, détruire tous les animaux qui sont là, par exemple, pour en s'en servir pour nourriture. Voilà, il y a plein d'éléments que l'on peut réaliser. On va tâcher en tout cas de réaliser puisque ce sera important pour la suite de l'aventure. D'ailleurs, pour les animaux, les zones pour la sécurité des animaux, ça c'est très bien. On va peut-être même l'agrandir un petit peu ici, très bien. Et la zone des animaux, on va plutôt la mettre comme ceci pour le moment. Ce sera très bien. Comme ça, ils pourront aller un petit peu de partout, pas de problème. Et puis, on pourra toujours les enlever de ce côté-ci par la suite. Hein. Pour l'instant, ça n'est pas figé. Ce qui est assez intéressant dans ce jeu d'ailleurs, c'est que l'on peut vraiment faire un petit peu tout ce que l'on veut. Mais au moins, là déjà, on a notre
système qui va, on va pouvoir le faire progresser, peut-être faire une coupure de ce côté-ci pour cacher un petit peu, excusez-moi, pour cacher peut-être les câbles. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est on pourra faire des chambres, peut-être de ce côté-ci, qui donnent directement sur l'extérieur, sont pas forcément obligatoirement en intérieur, sinon ce serait un peu triste de toujours se fixer sur la même chose. Pour l'instant, la Renti nous fait une petite sculpture en granit. Et Jibo joue au fer à cheval, d'accord, très bien. Alors Mikost, il était quoi Mikost déjà? D'accord, il s'occupe des animaux et garde forestier principalement. Après, bon, constructeur aussi, c'est très bien. Mais on a pas mal de petits éléments intéressants. D'ailleurs, je vais peut-être faire une chambre de ce côté-ci dès que je pourrai. Ça pourrait être intéressant, même si quelqu'un a accès à l'extérieur. C'est pas très grave, mais au moins on occupe vraiment tout l'espace. Et ça, c'est plutôt intéressant d'éviter de se bloquer sur un ou deux éléments. Pour l'instant, table de travail. Ok. Alors, Mikost, au niveau de la santé, bon, peu importante, 86%, oui, il est plutôt pas mal, hein, pour être soigné. Est-ce qu'on avait encore des animaux à les chasser et ramasser? Pour l'instant, pas spécialement, hein, ce qui est plutôt pas mal. On a un beau travail qui est fait aussi de la part de Rome. Par contre, qui est mineur ici? Parce que là, on n'a pas beaucoup de minage. Ouais, Mikost n'est pas. Bon, on va pas forcément être efficace pour le moment. On va peut-être le passer en mineur, Mikost, en plus de s'occuper des animaux, dès qu'il pourra. Et on mettra peut-être quelqu'un d'autre au minage plus tard. Alors, on m'avait fixé des objectifs, je les ai pas notés malheureusement. Donc, il faudrait que. Bon, il y avait en tout cas avoir des chambres. Plutôt aménager, ouvrir cette fameuse zone, on avait avoir plusieurs animaux, on avait au niveau des prisonniers, vendre des prisonniers, tuer un prisonnier, relâcher un prisonnier, recruter deux personnes. Donc ça, c'était plutôt dans les objectifs dont je me souviens. Il y avait 7 champs aussi, avoir 7 champs, pour l'instant j'en ai 4, ce qui est plutôt pas mal, mais il en faudra encore un peu plus pour réussir cet objectif-là. Un Jibo qui vient. D'accord, c'est pour les automitrailleuses. D'accord, très bien. On est en train de creuser de ce côté-ci. Très bien aussi. Là, va falloir que je renforce ce côté-là. Parce que ça, c'est très dangereux. Bamava, tu es quoi? Réparateur constructeur. Et l'artiste, c'est Larenti. C'est pas prioritaire pour l'instant. On va passer en 3. Je voudrais être tailleur de pierre. Beaucoup plus intéressant. Pendant qu'on est 6 actuellement sur le live, ce qui est plutôt plaisant. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs. N'hésitez pas à venir discuter sur le chat. Je ne mords pas, je ne mange pas. Là, c'est une table en marbre qu'il nous faut, d'accord. Donc, il nous faudra du marbre récupéré. On a des visiteurs qui passent, ok. D'ailleurs, on a aussi à se mettre deux factions de notre côté. Alors, par exemple, Villa de Fletcher, on pourrait tout à fait demander à Jibo, par exemple, de discuter avec eux et de leur donner de l'argent. Ça peut être une possibilité, par exemple. Voilà, on leur offre un cadeau et on augmente leur bienveillance, ce qui fait qu'ils vont nous apprécier maintenant. Ça peut être assez. Bon, on va déconnecter pour l'instant. Mais voilà, ça peut être un moyen de faire en sorte que certains pays, enfin certaines factions vous apprécient un peu plus. C'est assez tricky comme truc, mais ça peut fonctionner. Donc des fois, y penser peut être pas mal. Alors, bon Mikost, où en est ta santé, mon vieux? Pour l'instant, 92%, c'est tout à fait acceptable. Alors, j'ai pas fini de rediffuser hein, tout le live de la semaine dernière, mais ça va être normal en fait. Hein, ça continuera sur la semaine prochaine.
C'est tout simplement que je me permets de faire comme ça, puisque comme Noël approche, il est possible que je ne puisse pas faire de live, puisque tout le monde est en famille, hein, et c'est normal. Forcément, j'essaye de faire en sorte d'avoir du contenu pour plus tard. Il se comprend, j'espère. Oh, pas mal, on va avoir une mitrailleuse de ce côté-ci. Comment est l'énergie de ce côté-là? Bon, on va la mettre comme ceci pour le moment. Sera pas mal, je pense. Alors, on va essayer de voir pour l'équiper. Mais c'est pas mal, là, c'est plutôt pas mal. Par contre, il va falloir couper le bois qui est devant les arbres, puisque les arbres empêchent, en fait, tout simplement, de pouvoir tirer efficacement. D'ailleurs, je vois qu'il y a du granit là. Alors, on commence à avoir un petit peu de granit qui tombe très bien. Donc, structure. On va mettre du granit sur certains murs. Ça serait plus. Couper tout le mur là et je vais faire comme j'avais dit, c'est-à-dire ici un. Ah, j'ai plus d'énergie, pourquoi? Comment ça se fait que j'ai aussi peu d'énergie? J'ai un élément qui me consomme beaucoup d'énergie. Le tout, c'est qu'il va falloir le trouver cet élément, parce que sinon je vais être embêté. Ou alors il va falloir que je me relie très rapidement. Il va falloir que je récupère vite des éoliennes, hein, je pense, sinon je vais être embêté. Salut Mikost! T'es toujours dans ton lit, hein, t'es toujours planqué. T'es toujours malade pour le moment, toujours la malaria. Mais bon, tu vas bientôt avoir l'immunité, donc d'ici, ouais, voilà, tu vas pouvoir retourner au travail et tout, ça sera très bien. Redevenir efficace, ce sera plutôt une bonne nouvelle. Ah, la pub, oui, bah oui, ça, mais ça, je peux pas y faire grand-chose pour l'instant. Malheureusement, je peux pas y faire grand-chose pour le moment. On va pouvoir miner de ce côté-ci, ça c'est pas mal. J'ai demandé du minage d'ailleurs. Oui, j'ai demandé du minage en effet. Très bien, ça va être tout fermé ici. Donc on renforce le mur en haut. On va pouvoir miner aussi dans notre salle, ce qui permettra de faire circuler l'électricité. Bon, au moins les murs ici, bon, sont pas. Et après, il y a du bois, hein, donc c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour la protection, mais au moins là, on aura 2-3 trucs intéressants quand même. On récupère un peu d'énergie. Qu'est-ce qu'il a? Du cuir de Boomaloop, ça c'est pas mal ça. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça permet au moins 2-3 éléments. Hey Mikost, il va falloir d'ailleurs qu'on te change de chambre, Mikost. Ah oui, il fallait aussi un lit en niveau assez élevé
qui soit un lit légendaire. Me souviens d'un peu des missions. Tiens, on va avoir notre table d'échecs en marbre. Donc on a pas mal de choses intéressantes quand même. On a de la nourriture aussi, c'est très bien. On va aller chasser un peu le singe aussi. Et on avait à construire un générateur d'après mémoire aussi. Pourquoi il y a tant de nourriture qui ont été restées, qui a été laissée de ce côté-ci? Pourquoi tout ça a été abandonné? Ok. J'ai pas tout compris, mais pourquoi pas. Alors, ce qui serait bien par contre, c'est que mes gars minent un petit peu. Là, je serais pas contre. Va peut-être falloir que je demande. Alors, qui est mineur? Pour l'instant, c'est Mikost qui est mineur. Bah, on fera une partie d'échecs, ouais, pourquoi pas. Bah, des échecs, j'en ai beaucoup en ce moment. Hein. En plus, sérieusement, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Verra. D'ailleurs, je suis pas dans la partie. Là, pas du tout, non. Pour une fois, je suis pas du tout dans les personnages. Là, ça n'a pas été miné. Ah ouais, mais par contre, tu peux te rapprocher en fait pour tirer sur le singe, la Renty. Parce que là, tu tires sur les gens, il y a des gens au milieu quand même, hein. La Renty! S'il te plaît, respecte-toi! Bon, le singe a été abattu, c'est très bien. Heureusement, on n'a pas eu de blessés, mais c'est pas passé loin. Hein. Allez, ici, les murs seront bientôt terminés. Donc là, ce qui veut dire que la protection ici aura été mise en place est plutôt pas mal. Enfin, elle est encore à continuer. Vous voyez que là, c'est du simple mur, hein, mais on pourra tout à fait renforcer pour faire en sorte que ça aille beaucoup mieux. Et qu'on puisse vraiment par la suite s'équiper comme il se doit. Là, on n'est pas protégé du tout, par contre, hein, de ce côté-ci. Bon, on n'est pas non plus de ce côté-là, mais bon, après, on avait réussi en créant, en les faisant rentrer par la porte là, avec les mitrailleuses équipées. Ah, il va peut-être apprendre l'obéissance, ce capybara, hein, sait-on jamais. Non, oh, c'est dommage, 20% de chance. Ouh, il y a eu du feu. Oh, pauvre sanglier qui est en feu. Dis, tu veux pas éteindre le feu, non? Oh, pauvres animaux. On a un vendeur de produits exotiques qui est passé dans le coin aussi. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Si, il faut qu'on vende des choses. Donc il faut qu'on récupère Jibo. Il est parti de là-bas pour l'instant. Ouais, c'est bien Jibo, hein, qui est notre geôlier, c'est ça. On va demander à Jibo de passer. Ah, mais on peut pas, on n'a pas d'énergie. Ça, c'est dommage, il va falloir attendre le lendemain matin. En espérant ne pas perdre ce vendeur de produits exotiques, parce que ça sera assez important quand même. Là, je pense que les câbles, on va pouvoir les démonter. Ça, tu m'annules. On va faire passer les câbles autrement. On va les faire passer comme ceci pour l'instant. Et je pense qu'on peut annuler ça. On va pouvoir détruire
ceci. Tout ceci, on va pouvoir récupérer de l'acier. Ah, il y en a beaucoup qui veulent y jouer à Albion. Et bon, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai donné les MMO, maintenant j'en fais beaucoup moins. On va discuter avec les vendeurs de produits exotiques. On va vendre un peu des produits, notamment cette sculpture qui est médiocre. Pantalon en tissu, ça c'est bon. Lui est à 50%, ça reste acceptable. Et on va accepter ça déjà. Allez, Jibo retourne dans son lit. Allez, Mikos, tu vas te mettre enfin au travail, ça c'est bien, tu vas pouvoir commencer à miner. Et on va pouvoir utiliser l'acier, je pense, pour... Câble électrique, on va le détruire celui-là pour l'instant. Si on pouvait m'utiliser l'acier comme il se doit. Donc la table d'échecs a été placée, ça c'est très bien. Rome fait son travail de nettoyage, très bien aussi. Qui est notre constructeur en premier? Ouais, c'est Vamava, hein. Voilà, on commence le minage. Bon, j'ai pas encore. On va essayer de voir. Ah oui, non, mais oui, il a l'air d'être pas mal sur le farming, oui, en effet. Après, bon, bah, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. On peut pas toujours. Pas toujours évident, on est d'accord. Allez, deux éoliennes de fabriquer, ça c'est plutôt pas mal. Le souci de ces éoliennes, c'est que vous voyez par exemple ici, elle fonctionne pas parce qu'elle considère qu'elle est bloquée par les arbres. Donc il va falloir couper les arbres et mettre certainement un sol. Le souci des sols étant que, bah, forcément, qui dit sol dit que, bah, qui dit arbre dit que ça va poser problème pour la suite. Et donc on pourra pas construire sur ces éléments-là. Ce que l'on veut, par exemple j'aurais besoin de champs et autres, là je vais pas pouvoir parce qu'il va falloir que je fasse un sol en bois ou en pierre comme je l'entends pour que les éoliennes puissent fonctionner. Parce que si vous voyez, elles sont bloquées par les arbres et c'est tout de suite plus gênant. En attendant, au moins on peut récupérer un peu d'énergie, ce qui est pas mal. Quand bien même ce n'est pas suffisant. Alors, on va le remettre juste pour l'instant sur le travail du bois, le mi-cost. On a du marbre, on a du granit, c'est bien, on commence à avoir de nouveau des matériaux. Donc on va commencer à transformer certains éléments comme il se doit. Non, tu n'es pas tout à fait, tu n'es pas seul. Il y a 6 personnes qui suivent le live actuellement. Mais Rome reviendra un petit peu plus tard. Il pouvait pas rester dans l'immédiat. Et puis après, ben, les autres sont un petit peu silencieux, comme d'habitude. Ah, Jibo! Salut Jibo! T'as vu, t'es pas encore mort pour l'instant. T'es pas tout à fait mort encore. C'est pas faute de le vouloir, hein, mais tu me connais. Je fais toujours un peu attention. J'ai beaucoup de quoi, hein, beaucoup de granit. Hein. Donc on va fabriquer des murs en granit ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Non, d'ordre, on va faire un peu de minage. Comme ceci. Salut Larenti! T'as
T'as failli blesser des gens, la Renty, tout à l'heure. Oh, mais y a pas de soucis. Faites bien comme vous le souhaitez. Je suis pas du genre du tout à embêter les gens pour quoi que ce soit. Tu les as notés, la Renty, les... Ah bah très très bien, merci, très très bien. Tu as noté les missions, parce que j'en souviens de certaines, mais après je dois dire que ma tête me faisant un peu défaut et ne l'ayant pas pu noter pour le précédent live. C'est un peu plus gênant, ça c'est du bloc de date de granit, sol, granit, ici. Pour le bien de la communauté, faudrait éliminer la Renty. Mikost qui précise ça. Oui, ça pourrait être aussi, oui, en effet. On pourrait le faire. Mais on a nos éoliennes qui fonctionnent quand même. Ça, c'est pas mal. Bon, il y en a une sur les deux, malheureusement. Attends, tu vas te couper. Les copias, ça serait bien. Alors, on va peut-être mettre des champs au final. Est-ce que les zones agricoles ça bloque les fermes? Je sais pas si ça bloque, je sais pas du tout. Et ça serait intéressant à savoir. Donc on va essayer. Là, on va mettre du maïs ici. Pour les petites cultures où il n'y a pas besoin, je vais mettre du xérium ou du coton par exemple. Pour l'instant, on n'a pas besoin du houblon ici. Du coton. La pomme de terre, alors on va mettre du fraisier. Voilà, ça sera très bien. Et on va voir si ça fonctionne complètement. Concours RimWorld, non, je n'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de, enfin, je regarde déjà pas beaucoup les vidéos de Jazz, parce que je n'ai pas forcément le temps, et non, je dois avouer que non, vraiment pas regardé. En quoi consiste ce concours, Jibo, s'il te plaît? Alors, on va avoir une nouvelle chambre de terminée ici, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a encore de la nourriture, c'est très bien. C'est une map pour tout le monde et dans un temps limité tu dois faire la meilleure base quoi. Bah oui, alors ça dépend aussi quels sont les critères pour avoir la meilleure base en fait. Si c'est en quantité de choses qui sont à l'intérieur, si c'est en quantité de richesses, tout dépend. Tout dépend comment ils considèrent comme... ce qui fait que on est sur... une base qui est bien ou pas. Créer un générateur thermique, oui. Créer au moins 12 champs, tous variés, oui, ça pas de problème. Non, c'était peut-être 7, pas 12.
Ouvrir la salle mystère qui est très dangereuse, oui, ça c'est sûr. Exécuter et libérer au moins un prisonnier, oui. Créer un lit qualité légendaire. Posséder au moins 6 colons, oui, il y avait ça. Il y avait recruter 2 personnes aussi. Et après, je sais plus. Pour l'instant, là, on a quoi? On a du riz, on a du xérium, on a du fraisier, on a la pomme de terre. Je viens de mettre du houblon de ce côté-ci, si je me souviens bien, et du coton. J'ai pas mis les plants d'arbres pour l'instant. Ah, c'est bien ça. Ok, qu'est-ce qu'on a en écran de recherche? La fabrication de tapis ou de lits médicaux. Ça serait intéressant, les lits médicaux, vraiment. Pour soigner les gens. Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas fait mon hôpital d'ailleurs.